Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, avec Gabi qui râle, on part à Paris. Est-ce que t'aurais pas déjà trouvé un de tes cadeaux du calendrier de l'Avent, mon amour? Je crois que si, hein. Mais non. Elle s'est réveillée un petit peu plus tôt que d'habitude, donc elle est pas en grande forme. J'espère que du coup, elle va se rendormir dans le train. T'es pas en forme ce matin, mon amour. Enfin bref, on va aller à la gare et on s'en va pour Paris. Cet après-midi, je vais à un événement avec Mucella qui crée un appartement. Ça s'appelle la maison des parents, je vous expliquerai. Mais c'est très cool avec plein d'activités tous les jours. Mon amour, de toute façon là, je peux pas parler vu que cet enfant fait que râler. Viens voir papa. Je vais chercher une couette. J'ai besoin d'une petite couverture pour elle parce que je sais pas exactement quelle température il fait à Paris. Je pense qu'il doit faire quand même un petit peu plus froid qu'ici, mine de rien. Donc, elle est où? Bah. C'est normal qu'il n'y ait plus une seule couette dans le... la chambre de Gabi, mais genre... Alors là par contre, normalement il y en a trois. Il n'y en a plus une. Déjà normalement il y en a deux sur ce lit, là il n'y en a pas. Bon, je vais chercher parce que là je comprends pas. On y va mon amour. On va prendre les trains. Bichette. Et voilà, la poussette, la valise, mon sac et moi-même. On y va? Du coup, cet après-midi, on est à la maison des parents avec Mustella. Et en fait, c'est un espace, c'est super grand, où vous avez, voyez, plusieurs espaces, où vous avez plusieurs ateliers. Attends, Gabi, j'explique. Vous pouvez vous inscrire pour venir participer. Il y a des conférences, des tables rondes. Vous avez là, par exemple, c'était un atelier, vous savez, pour les premiers secours. Il y a un espace pour les enfants pour qu'ils puissent jouer. Et si je vous dis pas de bêtises, il y a aussi une... une garderie où pendant que vous faites les ateliers, hop, et ben ils gardent vos bébés. Donc il y a des filles qui sont là pour ça, donc c'est vraiment pas mal. C'est franchement c'est sympa. C'est ouvert pendant 15 jours, je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'était bien mon amour. Là, oui, là, oui. Là, on a changé la couche. Et vous avez du coup aussi en bas. Et vous avez encore Mustella où vous pouvez découvrir les produits et tout. Enfin c'est hyper bien fait. C'est vraiment sympa. Regarde, t'as allumé Gabi, regarde. Mais tu vas où? Non mais alors elle, depuis qu'on est arrivé chez ma mère, elle fait le bordel. Gabi, regarde, t'as allumé. Au revoir. Au revoir Gabi. Gabi. Elle dit au revoir en plus. Gabi. Ah, hop là. Oh non. Gabi, tu veux bébé? Gabi, viens, on va le mettre. Tu veux bébé? Regarde-moi son pyjama là par terre. Ouais, elle arrive pas à marcher avec. C'est horrible ces pyjamas. Non, galère. Gabi, regarde. Qu'est-ce qu'elle te donne, mamie? Ah, oh, elle a dit waouh en plus! Plein de cartes! Plein de cartes avec plein de dessins! Ah. Ah. Elle n'arrive pas à se lever avec son pyjama! Oui, elle glisse! Wow. Ah, mais lâche-la maman! Attends. Mais attends, elle est pas stable! Hein. Elle est pas stable, je vais pas la lâcher alors qu'elle a les pieds qui. Oh. Tu donnes la tata? Comment tu donnes? Mais merci! Oh. Oh. Oh, il y avait quoi? Bon les gars, je suis chez ma mère. Je vous fais un petit récap de la journée parce que du coup j'étais pas mal occupée, donc je suis allée à la maison des parents. C'est un lieu qui est créé par Mustella là pendant 15 jours pour réunir les parents et des experts autour de la parentalité. C'est faux, voilà. Autour de la parentalité. Et c'est vraiment bien, les gens sont hyper gentils, hyper bienveillants, hyper accueillants, hyper... enfin, genre j'ai passé un trop bon moment. Tout le monde était hyper adorable avec Gabi. Vous avez même un espace de garderie, vous avez des espèces de babysitters, on va dire, qui sont là pour garder vos enfants pendant que vous discutez avec d'autres parents, pendant que vous allez faire les ateliers, etc. Donc franchement, c'était vraiment cool.
petite mauvaise aventure dans les transports en arrivant, parce qu'il y avait la grève, mais ça je le savais, mais normalement sur mon trajet il devait pas y avoir trop de problèmes. Au final sur la moitié il y en avait, mais je me suis vraiment rendu compte que prendre les transports avec une poussette c'est quasiment impossible. Donc je me dis, si moi je galère avec la poussette, comment font les gens qui sont handicapés, les gens qui sont avec un fauteuil roulant, qui sont avec une mobilité qui est réduite. Je me dis, mais on est en 2022, on veut nous pousser à mort à prendre les transports à Paris, ce que je comprends et ce qui est bien. Enfin, moi pour le coup, avant je prenais systématiquement des Uber, et c'est vrai que plus ça va, plus Jim me dit, mais viens, on prend les transports, c'est plus rapide et c'est moins cher et c'est plus écologique aussi accessoirement. Donc genre je prends de plus en plus ces transports, et là, mais vraiment je me suis retrouvée déjà à devoir prendre plein de fois l'escalator avec la poussette et la valise. C'est très dangereux, que ce soit pour monter ou pour descendre. Je me suis retrouvée à des endroits où il n'y avait ni escalator ni ascenseur. Donc j'ai dû demander à des passants de m'aider. Par contre les gens étaient hyper gentils. Dès que Gabi faisait tomber une carte où elle jouait avec, on venait me la rendre. On m'a aidé dans les escalators. Il y a un monsieur qui m'a dit, passez, je me mets derrière vous, on sait jamais. J'ai même arrêté un monsieur qui m'a vraiment... Genre là je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider à descendre toutes les marches, parce que enfin, je suis bloquée quoi. Donc il a posé son skate en bas, et c'était un skate électrique, il l'a posé et il est venu m'aider. Donc vraiment par contre les gens trop gentils, mais une catastrophe quoi. Et d'ailleurs j'ai une abonnée qui m'a dit que la RATP préférerait, je mets tout voilà parce que je suis pas sûre de ce que j'avance, mais c'est ce qu'elle m'a dit, préfère payer les amendes pour le fait que bah, c'est pas adapté à toutes les personnes, plutôt que de faire les travaux, parce que ça coûte moins cher de payer les amendes. Ce serait pas impossible, ouais. C'est pas la première entreprise qui préférait payer les amendes parce que ça coûte moins cher. Donc du coup la Gabi est au lit, on va manger japonais avec ma mère. Les filles, ma soeur et mes nièces vont manger McDo. Ah nounou. Oui. Je la vois me regarder depuis tout à l'heure. Oui. J'étais où écouter tout ce que je raconte. Oh t'as des jolies boucles d'oreilles, c'est les nouvelles. Oui. C'est les mêmes que celles que t'as perdues. Oui. Ou vous en avez pris d'autres? On en a pris d'autres. Oui, mais c'est les... Ah non, mais t'en as racheté qu'une. Oui. Parce que du coup, c'est pas les mêmes. Oui. D'accord. Parce qu'elle a perdu une boucle d'oreille à l'école alors qu'elle venait de se faire percer les oreilles, la demoiselle. Donc voilà, on a bien profité avec Gabi avant qu'elle aille se coucher. Elle a été encore trop gentille. Elle s'est rendormie dans le Uber en rentrant, donc voilà. Enfin bref, t'as faim? Oui. Il te manque combien de dents? Je sais pas. Feuille, t'en manques qu'une. C'est là, oui, mais en haut. T'en manques qu'une. Enfin bref, donc j'attends mon japonais et franchement j'avais envie de tout manger. J'avais envie de manger Pizza Hut, Steak and Shake, japonais, j'avais envie de tout manger. Parce que Dada elle a que McDo là où elle habite. Elle a pas tout le reste, comme vous. Donc voilà, t'es content que vous venez pour Noël? Oui. Ça va être trop cool. Donc voilà, on attend le Jap et puis enfin manger. C'est quoi cette coupe de cheveux? Tes cheveux ils volent. C'est normal ça. Ça je comprends pas pourquoi on n'a pas ça à Montpellier. Genre les gyoza comme ça là, c'est si bon. Et à Montpellier on n'a pas. C'est vraiment très triste. Like everything is new. The sun burst flowers. Calling on one day's overdue.